que des pics cancer. Comment ça que des pics cancer? Comment ça que des pics cancer? C'est la team femme. C'est le. Oh, regardez le pouvoir féminin! Voilà, c'est ça l'inclusivité. Et en plus, il y a Pavelira. C'est bien. Phoenix, c'était le carry hack, tu détestais jouer, j'ai rajouté avec Hammer. Ah, c'est ça, d'accord. Oui, bah c'est vrai. C'est vrai. Bien vu, ça cale. T'es con. Parce que Eva est en train de vous préparer. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il y a cette émote Bobby Kotick. Attends, je vais l'envoyer à Eo pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Est-ce que tu qu'en penses-tu, Eo? Qu'en penses-tu? Voilà, il poulait exactement. Je trouve en plus, je trouve qu'il a des sourires, Bobby Kotick. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais non, justement, Eo. Moi, en vrai, j'aime bien. Hein. Là, j'aime bien comme ça. Hein. J'aime bien comme ça. Allez, hop. En avant-première, mesdames et messieurs. En avant-première, mesdames et messieurs. Je vous affiche... Je pense que c'est validé. Je pense que c'est validé. On peut baisser la couronne plus bas. Ouais, c'est possible, par contre, ça. Mais bon, je vous la montre en avant-première, même s'il y a des changements. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la nouvelle émote T3 qui sera la prime de luxe. Voilà, elle sera pour les T3, mais c'est une histoire. C'est une histoire. C'est la prime de luxe. C'est-à-dire que Fanny l'aura d'ailleurs. J'ai joué ça, ce talent était up. Bisous, miou miou. Voir, tu regroupes le pic du mid. Tu recoupes le truc. Oh, tout de suite, voilà. Tout de suite, c'est la femme qui prend. Non, je rigolais. Il a plus d'esquive. Ah, bah, il vient de la récupérer. Oh! Ah non. Terrible. Il voulait mon cul. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est parfait, Eva. T'emmerdes pas plus, je pense que ça sera bien. Non, vous êtes... Vous en avez rien à foutre, le chat. Je suis déçu. Moi, je pensais que vous alliez rigoler. C'est un peu les mottes VIP de luxe BKFC, quoi. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Des petites dynamites. Putain, c'est une émote capitaliste, elle est forcément tier 3. Mais oui! Et c'est pour ça, je me suis dit... J'ai pas d'idée pour des émotes tier 2, tier 3. Souvent, vous... Oh, ça suffit le body block comme ça. On laisse passer les dames d'abord, hein. Misogyne. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, mais on est nul. Oh, ce bruit. Ce bruit, c'est. Honnêtement. Au passage, Rory, faudrait que je te file la playlist. C'est de la musique Elfe Noir, ça. Je la trouve très stylée. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un mec là. Il se fout un peu de notre gueule d'ailleurs. Allez, hop, dans les mines. Ouais, là, c'est fini. Boum. C'est le blindage en mode siège rend insensible aux effets de contrôle. Avec de base en mode siège. Bon bah, je vais devoir jouer le seul talent qui n'est pas dans le mode siège. En vrai, j'aurais pu jouer l'autre. Ce globe. Oh. Déçu. Par contre, on vous dérange? On vous dérange? Comment ça se passe?
Ça fait 17 minutes. J'étais plus loin que lui. J'étais plus loin que vous. Terrible ça. Non, non. C'est pas eux, Myria. Cette musique en vrai elle est trop stylée. Cette musique elle fait noir de Heroes of Might and Magic 6. Oh, ce que... oh non. Ah oui non c'est bon. Ouais il pouvait pas, il était bloqué, Explose plusieurs fois, ça, c'est incroyable ça. Vous connaissez le build No Siège? Moi je joue à build No Siège. Oh là là! Oh là là! Aïe! Ah, par contre, tu t'es collé à moi, Zorda. Je suis déçu. Ah, on le tue tellement. Et la full reset. C'est terrible. Mais c'est contraire à ton guide. Exactement. Éjection. Terrible. Mais c'est du foutage de gueule ça. Il explose 3 fois en 3 secondes. Attaque de base. Mais ils ont pas pété là. Ou alors c'est qui les a tués. C'était bizarre. Il devrait... Je suis mort. Allo, team. Soli, je veux bien d'huile. Si je meurs alors que t'as encore. Si je meurs alors que t'as encore du mana, c'est pas normal. Hein. Bon, je vais devoir aller à bot, hein, je pense. Toum. Oh, je pensais l'avoir esquivé. Ouais, beaucoup chiant. Après, je pense que cette game va être dure. Attention, tu oublies d'appuyer sur T. Faudrait que je le fasse en fight. Ça sera rigolo. Le 10 se fera du bien. Ouais, j'ai l'impression que Whiteman bouge pas beaucoup de la mid lane. C'est dommage. Ils veulent pas prendre les nukes, ça me va. Il va prendre toutes mes mines. Oh. Bon, on va revenir aider l'équipe. Il y a un nuke à prendre. Il m'a lancé dedans, c'est jamais. Okay. Il a pas pris le set pour nous donner de l'armure. Contre Illidan, Falstad, Maiev. Aïe aïe aïe, c'est terrible. C'est dommage. Ça, c'est une grave erreur, pour le coup.
qui va coûter très cher, je pense, dans cette game. Très 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 cher. C'est rigolo ça. Allez. Oh, je suis trop grosse. Je suis trop grosse. Je ne peux pas repartir. Je suis déçu. Ouais, là, ça ne pas prendre l'armure au 7 avec la move speed contre leur compo, c'est du hint. Hein. Surtout que tu joues ça contre quoi? Contre le root. Mais il n'y a qu'un root, en fait. C'est des cartes. Et des cartes, bah, tu les scrives. Tu vas me dire les slow. Le clap de Muradin, ça mobilise pas un truc comme ça. Hein. Ça va faire très mal. Hein. White Man va se faire dive. Je vais me faire dive. Tout le monde va se faire dive. Jaina et White Mane, c'est des persos qui n'ont pas de move speed. C'est cool hein, la move speed. Ça va coûter très très cher ça, je pense. Malheureusement. On me sent qu'il y a la BlizzCon hein, quand même. Mais rien. J'ai même pas touché, il est mort avant. Je voulais juste lui faire péter le cul. C'était important. Ouf. Réduise le temps. Les attaques en mode siège, non. Propulseur l'arc des mines, voilà. Ça qu'on veut. Vous savez que Xyr juste build. Xyr juste build, putain. Moi ça me rend incroyablement jouissif. Oh, il est dans le stun. Oh, terrible. Oh, je suis rentré dedans. Terrible. Et là, si j'avais l'ult. Si j'avais l'ult, imaginez. Voilà. C'est marrant. Voilà le gameplay hammer qu'on aime, exactement. Regardez, j'ai posé des petites mines. C'est pas du tout Tricard. Je me demande ce qu'il fait. Vous avez vu ou pas? Ok, il était pas dessus, d'accord. Bah si, il était là. Ah, je suis déçu. Team. Par contre, je l'ai bloqué, c'est terrible. Ah, j'aimerais faire plus. En France, attaque de base, attaque de base. Ouais, on va jouer ça. Ah putain. Quand tu meurs par ça, tu dois tellement, mais tellement avoir la haine. Mais la haine de Zoubizoubizen, comme un lapin de Garenne. Les gens voulaient du World of Tanks, exactement. La 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 la. La 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 la. La la. Ils te voient, hein, par contre, Théo. Ils ont la vision. N'oublie pas. Ce rire maléfique. Ah, bah en même temps. T'as pas vu le Falstad qui essayait de m'attraper ici aussi? T'as pas vu? Oh, elles m'ont pas suivi. Oh, il devait être day. Mon build qui fonctionne. C'est incroyable.
Je crois qu'il allait sauter, je voulais le cancel. Mon build fonctionne. Ah oui, merde, pardon les amis. Je vais devoir la mettre sur YouTube cette game. C'est la première fois que je joue Hammer et que je perds pas avec ce build. On va voir ça, je vais regretter très vite. Ne restez pas là. Partez. Attends le globe. Oh oui, merci monsieur. Ah, ça c'était pas fou. Sans les mains quoi, c'est incroyable. L'ogive sur le silo, non je peux pas. Franchement le début on s'est fait massacrer, genre je peux pas faire ça. Oh. J'ai mongolisé là. Oh je l'ai raté. Mes petites mines qui vont passer, ils vont tous se suicider pour moi là. Incroyable, ils se suicident tous pour moi, c'est con. Ils veulent m'attraper. Mais oui, il a compris, hein. Depuis tout à l'heure, ils me veulent, du coup, ils se suicident. Quoi, hein, la boîte à... Les mines araignées réduisent l'armure. Les attaques en mode siège augmentent la vitesse d'attaque. Bon, on va prendre la vue le nez. Hein. On va prendre la vue le nez. Putain, non, génie. Non, génie. Je viens de le dire, moi, il m'utilise tellement. Ah, c'est incroyable. Il m'a pas touché l'autre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Oh la vache. Ah, celle-là, elle part sur YouTube. Hein. Elle part sur YouTube, celle-là. Elle part sur YouTube. J'ai quasiment autant de dégâts. J'ai quasiment autant de dégâts. Oh putain, le début de la game, je me suis dit... Ah, ça va être compliqué, mais elle a pas pris le bon set alors qu'ils ont full auto-attaque et tout. Ah yo, 100%. Mais c'était marrant. J'ai fait des petits trucs sympas quand même. J'ai fait des petits trucs sympas. Oh la vache, cette game, putain. Ah franchement, l'ascenseur émotionnel au début, je me suis dit, elle va être longue celle-là, on va se faire massacrer. On n'a pas l'armure et la mousse. Vraiment, Zordon, je sais, ça fait chier. Enfin, ça fait genre, je suis un connard qui arrête pas de le redire, mais genre vraiment, trop fort l'autre. Hein. Celui-là, c'est pas mal quand il y a vraiment beaucoup de routes et tout, ok. Mais là, t'as un Descartes, tu te décales, c'est bon, ça te route pas. Hein. Genre. Puis en plus, t'as ton dé au pire pour Descartes, quoi. Et là, regarde, Jaina, pas de move speed, Hammer, pas de move speed, White Mane, pas de move speed, Diva, elle a un propulseur, mais elle va l'utiliser normalement sous offensivement et tout. Donc, c'est super important, quoi. Super important dans ces moments de que tu viennes. Allez, du coup, pour la postérité, oh, ton anneau de givre à la fin, pour la postérité, il sera là. Il sera là. Il sera là. Et du coup... que White Mane est comment? Je dirais juste que sur l'early game, Soli, tu étais mid, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu étais mid. Genre, je pense même pas que c'est une question de perso, c'était resté mid et tu n'as rien fait. Genre, t'étais soit avec Mei, soit avec je sais plus qui, et tu bougeais jamais. Reste avec un de tes carrés. Reste avec un de tes carrés. Soit Jaina, soit Hammer, soit. Bah, pas lui, en fait, c'est un solo. Donc, soit. Et là, plutôt avec Jaina, du coup. Plutôt avec Jaina dans ces moments-là. Tu vois, normalement, sur le papier, bon, Diva prend une lane, moi je prends l'autre. Mei, mid. Et toi, tu bouges soit sur moi, soit sur Jaina. Nos soucis, mais j'arrivais souvent à un move où il faut attendre pour vous protéger. Mais... Non, mais vraiment, hein. Le E au 7, je pense que tu te rends pas compte. Hein. Tu ne te rends vraiment pas compte. Hein.
c'est pour toi la Moospeed c'est insane, pour ton équipe c'est insane. T'as une équipe de Illidan avec Maiev, il y a tout qui va te rentrer dedans en fait. Tout qui va vouloir nous rentrer dedans plutôt. Et nous on n'a pas de Moospeed. Donc armure physique, sachant qu'Illidan physique, Maiev tu vas dire bah c'est magique avec les laisses et tout, c'est hybride. Beaucoup d'auto Maiev. Deckard, ok, il n'y a pas d'auto. Muradin, il y a des autos. Falstad, il a pas joué le 7, mais en plus il y a les autos avec le 7. Falstad, bah, bon, il est parti full Z comme un guignol, mais ça reste un auto-attaqueur, Falstad. Donc, l'armure physique ici, sachant qu'en plus c'est pas de l'armure physique par stack, c'est de l'armure physique par seconde, c'est. Même contre Tracer Ticus, c'est fort. C'est... Là, ici, c'est trop important. Beaucoup trop important. Et la Moospeed, encore une fois, Jaina pas d'escape, White Mane pas d'escape, D.Va pas, potentiellement pas d'escape, et moi j'ai pas d'escape à part pas le propulseur, donc ça c'était une grave erreur, une très très grave erreur pour le coup. Sinon White Mane après, bah ça contre le dive j'aime bien, même si je pense que EO te dirait de jouer plutôt le heal amélioré sur le Z, le heal amélioré quand un mec a moins de PV, le truc qui réduit le temps de recharge du Z aussi. Je pense que la plupart, moi j'aime bien ce talent. Mais il faut que tu sois très très bon. Je sais pas combien t'as stack par exemple Soli dessus. Ça c'est cool, ça c'est Purif, c'est cool. La Legit c'est obligatoire. Contre leur compo c'est obligatoire aussi, Legit ici. Il y a eu des moments aussi en teamfight où je pense que t'étais la tête sous l'eau et du coup tu voyais pas tout. Mais il y a eu un moment où j'étais en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Illidan sur moi. Et bah ça le route après c'est bien. Je l'ai pas vu, j'ai pas trop vu si tu l'as bien en proc, mais non c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et vous savez qu'Ixir joue mon build. Hein. Je crois que le 1 il joue ça aussi. Genre Ixir joue ce build. Je ne déconne pas. Genre il joue ce build. Moi c'est un truc que je considère troll parce que c'est juste que j'aime pas la nouvelle Hammer et que Hammer pour moi ça doit se déplacer. Et ils ont up le build min il y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois. Et du coup je me suis dit ah MDR ils ont up mon build. Mais je perdais tout le temps avec ce build. Et franchement, le up est pas dégueu. Hein. Les mines, la réduc CD, ça coûte plus de mana aussi, parce que t'avais des gros problèmes de mana avant. Bon, ça, c'est un peu troll. En vrai, je pense que malgré tout, tu prends l'incensi au 4 quand même. Même si tu l'utilises très peu. Mais bon, c'était marrant. C'était marrant. J'ai réussi à bloquer le gars dans les stun mei et dans les... certaines AOE, donc c'était marrant. Et le 13 contre Eden, comme tu disais. Ouais, bah ça contre les mêlées, c'est pareil, hein, c'est trop fort. Ça, bah, c'est toujours des dégâts. Et le 20, bah, je pense que c'est plus pour toi. Le 20, pour moi, ça se joue entre... Les améliorations d'ult sont poubelles, je trouve. L'avalanche, pourquoi pas, mais c'est dur. Enfin, c'est même si tu y arrives, c'est pas rentable, je trouve. Du coup, ça joue soit entre ça, soit la boule de neige. Enfin, le A, en fait. Pas l'avalanche, pardon, le A. C'est l'avalanche, l'ult. Mais la boule de neige, le A, là. C'est super mal, ça. Super mal. Très sous-estimé. Dommage juste que... Ça ne marche pas en fonction du nombre de stacks. Si ça marchait avec le nombre de stacks, ce serait god. Vraiment, ce serait très très fort. Peut-être même un... Enfin, tes deux stacks, si jamais t'as deux boules de neige, tes deux stacks, quoi. Ça, ce serait cool. Peut-être un peu fort, mais... ce serait cool. Voilà, j'ai pas trop grand-chose à dire. Je note que tu n'as pas pris de 20, Soli. Tu comptais prendre quoi comme 20, d'ailleurs? Parce que c'est pas bien, ça. Là, à la fin, quand Illidan me saute dessus, t'as pas pris de 20. Aïe, aïe, aïe. T'allais jouer quoi, pour le coup? Pour moi, il n'y a pas de débat dans cette game. Genre, White Mane a des très bons vins. L'amélioration de l'ult, ouais, c'est exactement. Pourquoi? T'as une purif pour les autres. Si jamais ils go sur les autres, la purif pour eux. Si jamais Maiev prend une laisse 3-4, bah l'ult, déjà, tu cleans tout. Et si c'est... Normalement, Illidan, du coup, il va te track. Du coup, s'il te track, tu ult. Voilà. Basta. Et comme ça, t'es intouchable. Donc ouais, c'était pour moi il n'y a pas de débat là, c'est ult amélioré ici.